Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Hey, you talking to me? Vers l'infini et au-delà! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle livres. Et pour ce faire, j'ai avec moi Cestério. Bonjour. Comme toujours. Et Camille. Bonjour. Comme toujours pour les livres également. Une habituée maintenant. Ouais. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas retrouvé pour les livres, ça doit bien faire un mois ou deux. Deux mois. Plus que ça. Deux mois, je pense, ouais. C'est bien, on va avoir plein de choses à se dire. Alors, on commence, comme toujours, par un petit tour de table, le très vite. Qu'est-ce que vous avez lu depuis deux mois, entre autres? Alors. Je commence. Vas-y. Alors, je vais parler d'un livre qu'on parle pas, à mon avis, dans le podcast de Kifi, on n'a jamais parlé, c'est un livre pour enfants. Pas sûr que ça a déjà été le cas. C'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël, qui est écrit par J.K. Rowling, donc connu pour les Harry Potter, quand même. Alors, c'est un livre, c'est difficile à situer parce qu'il est quand même gros, mais c'est quand même écrit pour enfants. Et du coup, je ne saurais pas à qui le conseiller comme enfant, en fait, tout simplement, parce que d'un côté, c'est un peu une histoire c'est Jack a perdu son doudou, il se retrouve dans un monde où il essaie de le retrouver, le monde des choses perdues. Et du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de choses à lire, et en même temps, une histoire un petit peu enfantine. Il est difficile à situer. Après, moi, je l'ai lu un peu comme ça pour voir un peu ce que c'était, ça m'a intriguée. Bon, après, c'est mignonnet, mais ça reste enfantin quand même, voilà, faut pas hésiter à y aller pour les enfants c'est conséquent, donc faut quand même un enfant qui puisse lire. Il y a, je sais pas, peut-être 400, 300 pages. Mmh. Ah oui, quand même, ouais. Et il y a beaucoup de chapitres, enfin voilà, c'est conséquent. Ensuite, je vais rester dans le feel good, ce que j'ai eu l'habitude de parler dans les précédents podcasts, donc c'est toujours Karen Ponte, qui a fait une suite de son aventure de Noël, qui s'appelait « Vous faites quoi pour Noël ?» Et là, c'est « Vous faites quoi pour Noël ? On se marie ». Donc c'est une suite, je pense qu'elle va faire une petite saga avec les personnages qu'elle a créés. Donc toujours aussi sympathique, très facile à lire. Et on est content de retrouver les personnages qu'elle a créés. Et pareil, j'ai réussi à récupérer quasiment l'intégrale des Virginie Grimaldi qu'on m'a prêté. Et donc je continue aussi le marathon. Et donc j'ai lu « Le premier jour du reste de ma vie ». Où c'est une fille qui décide de quitter son mari, qui part sur un bateau de croisière, et puis finalement elle rencontre... Finalement c'est une aventure, enfin c'est une croisière pour des gens solitaires, donc on est censé justement... on va seul, mais on finit toujours par rencontrer des gens, et du coup elle se fait des amis, puis voilà, il y a des histoires, et c'est très sympa. Et un deuxième qui est vraiment différent, il est plus récent, c'est « Et que ne dure que les moments doux ». Alors il est très beau, mais ça m'a moins parlé. Donc on parle, ça suit deux femmes, une femme qui arrive à un certain âge et ses enfants quittent le nid, donc elles se retrouvent seules chez elles. Et en même temps, on suit une femme qui, elle, a un bébé qui est né prématuré et qui passe tout son temps, du coup, en néonate. Voilà, ça m'a un peu moins parlé parce que bon, moi, pour l'instant, comment dire, c'est des épreuves de la vie, on va dire. Donc, mais voilà, c'est quand même plaisant à lire. Donc voilà pour mon très vite. Ok. Camille, merci. Alors nous sommes en tout début février. Il y a eu la rentrée littéraire de janvier. C'est devenu un point de rendez-vous très très important en librairie. Ah ouais. Il y a au moins autant de livres qui sont sortis pendant cette rentrée littéraire que la rentrée littéraire de septembre, ce qui était une des premières fois. Donc plus de 600 nouveaux romans. Depuis la première semaine de janvier, donc évidemment beaucoup beaucoup de choses lues ces derniers temps avec des très beaux titres. Je pense au livre de Karine Thuil qui s'appelle La Décision et qui parle du quotidien d'une juge antiterroriste qui un jour va devoir prendre la décision de sa vie qui va impacter son environnement proche, sa famille et surtout l'avenir de la France. Donc c'est un livre absolument incroyable parce qu'on est vraiment dans son bureau avec elle et on suit minute par minute le déroulé d'un dossier. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi le livre de Pierre Lemaître qui est une nouvelle, qui est presque une saga, un peu comme ce que tu évoquais. Ouais. Sauf que là, ça se passe pendant les Trente Glorieuses. Et un des protagonistes part couvrir la guerre du Vietnam et va mettre le doigt sur une arnaque considérable. C'est fascinant parce que moi j'ai appris énormément de choses. Après c'est du Pierre Lemaître, donc moi je trouve que c'est un des...
C'est romancé ou c'est réaliste? Tout est vrai, mais tout est romancé. D'accord. Pierre Lemaitre, c'est lui qui a écrit Au revoir là-haut, qui a donné un film absolument génial, qui a eu le Goncourt d'ailleurs. Pour moi, c'est un des plus grands auteurs français aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses et il y a un rythme fou, donc vous avez l'impression d'être dans un feuilleton qui ne s'arrête plus. C'est vraiment bien. Et j'ai terminé le livre de Nicolas Mathieu, qui était aussi très attendu, Goncourt il y a 4 ans pour leurs enfants après eux. Ce livre s'appelle Connemara. Une histoire qui se passe toujours dans le Grand Est, parce que Nicolas Mathieu est un dingue de cette période-là, et qui va forcément nous parler à nous, jeunes quarantenaires, puisque tous les protagonistes ont 40 ans, et à chaque fois, il y a un va-et-vient fascinant entre leur adolescence et ce qu'ils sont devenus. Pourquoi ils étaient comme ça? Pourquoi ils sont devenus comme ça? C'est des romans très sociaux, mais c'est des sacrés bouquins, parce qu'on a l'impression de revivre toutes nos adolescences et nos vies de jeunes adultes et d'adultes un peu plus confirmés. Il aurait clairement pu avoir à nouveau le Goncourt pour ce titre-là. C'est plutôt dramatique, du coup. Ouais, c'est jamais très drôle, parce qu'il y a toujours les copains qui picolent, ceux qui viennent de divorcer, mais bon, c'est aussi une vision très réaliste de la vie. Il a une analyse dingue, parce qu'on a l'impression qu'il se met dans la peau de tous les personnages à chaque fois. Enfin, moi, c'est fascinant, quoi. Et pourquoi ça s'appelle Connemara? À cause de la chanson? À cause de la chanson, et la chanson qui fédère, parce que c'est la chanson des écoles de commerce qu'ils ont fait, c'est la chanson des mariages auxquels ils ont tous été. Ouais, c'est clair, c'est la chanson des mariages. Ah ouais, et c'est la chanson emblématique de la France et de toutes les Frances, et c'est vraiment ce qu'il veut montrer dans son bouquin, quoi. Donc le problème, c'est qu'on l'a en tête tout le bouquin. Ouais, j'imagine facilement. Donc c'est un peu perturbant, mais une fois que vous faites abstraction de ça, c'est un sacré bouquin, quoi. Voilà. Et celui sur la guerre du Vietnam, ça se passe entièrement pendant la guerre du Vietnam? Oui, alors c'est sa nouvelle saga, qui va a priori être une trilogie, se passe effectivement au début des Trente Glorieuses. Ça commence au Liban, là où habitent les parents, un couple qui a 4 enfants, et un va décider de partir au Vietnam pour aller chercher quelqu'un qui est parti, qui s'est enrôlé dans l'armée française là-bas, et qui va mettre le nez dans un trafic absolument dingue, dont je ne vous dévoile rien parce que c'est tellement fou que moi j'ai cru que ça n'existait pas, et en fait a priori tout est vrai dans ce bouquin. Je n'en avais jamais entendu parler et j'ai jamais lu une ligne dans les livres d'histoire là-dessus. Et quel est le poids de la guerre dans le livre? Deux tiers, un tiers, mais c'est pas le sujet, c'est pas tellement la guerre, c'est comment il a réussi à mettre en lumière ce qui s'est passé pendant la guerre. Ça a trait au financement de la guerre du Vietnam. Je suis sûr que ça m'intéresserait. C'est passionnant, mais Au revoir là-haut, c'était fascinant. Je suis sûr qu'il faut pas non plus que je m'y mette, parce que une fois que j'ai commencé à lire sur la guerre. Ah oui, je pense que ça te plaît. Et alors, je pense que tu n'en as jamais entendu parler. Bon, si tu le lis pas, je te ferai une synthèse. Fiche de lecture. Ça serait trop dommage parce que c'est vraiment un super bouquin. Non, mais ça me parle. Au revoir là-haut, c'était les gueules cassées qui faisaient du trafic de monuments aux morts. Ouais. Pareil, histoire vraie, hein, et le film est juste incroyable. Incroyable. Et enfin, il écrit des. Ouais, il écrit, c'est tellement bien que. C'est un sacré bon moment. Par contre, il y a plus de 600 pages, mais ça se lit comme un feuilleton, en fait, parce que tout est bien décrit et il n'y a pas de risque d'amalgame. Voilà. Bon, en tout cas, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi de vous proposer. Non, mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Alors, de mon côté, moi, ce que j'ai lu récemment, alors, depuis la dernière fois, que de la BD et du roman graphique. Je n'ai pas encore... repris de romans. Alors du coup, je vais pas tout citer, mais je vais faire une petite sélection. Il me semble qu'on n'avait pas parlé la dernière fois, j'avais pas dû le lire encore, de Sur un air de fado. Je pense que c'était... j'ai dû le lire juste après. Donc pour resituer, ça se passe globalement donc sous la dictature de Salazar au Portugal. Et on va suivre en fait un médecin qui a un peu décidé de passer à travers les gouttes, de rouler son bonhomme de chemin, on va dire, sans se faire remarquer. Jusqu'au jour où, forcément, en fait, il va rencontrer un petit garçon qui va pas faire le distinguo entre le médecin qui fait comme si de rien n'était et la milice, et qui le met directement dans le camp de la milice. Et bon, ça le choque quand même, et puis du coup, il va rencontrer le gamin, sa famille, sa sœur, etc. Et ça l'oblige à se remettre en question, etc. J'avais trouvé ça intéressant, parce que je trouve que vraiment l'histoire du Portugal en France, on la connaît pas. Mmh. Et c'est un beau pays, et j'avais envie de relire sur le Portugal suite à la lecture de Portugal, de Pedrosa, que j'avais trouvé super chouette. Donc bon, c'est pas du tout le même style
Portugal, c'est vraiment la découverte du pays, les couleurs sont chaudes et tout, alors que là, c'est plus froid et sur la dictature, mais j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, première chose. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu dans la tête de Sherlock Holmes, donc paru chez Ankama, qui est une BD qui est... Alors qu'elle a l'air assez déconstruite, mais au final qui est assez folle quand même. En fait, il y a un fil rouge qui est l'histoire, et en fait, qui passe en fait à travers toutes les pages du livre, et en fait, c'est en suivant ce fil rouge que tu lis la BD. Dans les faits, au final, c'est finalement assez classique, hein, c'est souvent gauche-droite, mais de temps en temps, non. Mais de temps en temps, en fait, pour te faire regarder une page ou autre, ils vont te faire regarder, c'est écrit en petit, genre regarder à travers la page, et comme ça, tu vas voir la façon un peu de réfléchir. Et puis souvent, en fait, t'as une projection de, bah justement, dans la tête de Sherlock Holmes, de comment il réfléchit, comment il pense, etc. C'est vrai que c'est c'est deux super œuvres, parce que c'est deux BD. On en parlait juste avant, elle est en rupture de stock, ouais. Tu disais ça. Ouais. Mais ça, si vous pouvez mettre la main dessus, alors, outre l'univers Sherlock Holmes, c'est en plus de ça. C'est une enquête, ouais. C'est une seule enquête qui commence de façon relativement. Travail à Sherlock Holmes, peu intéressante. En gros, il y a un mec qui se réveille un peu nu dans la rue, il sait plus pourquoi, et quelqu'un en parle devant Sherlock Holmes, tu vois, sans que ce soit adressé à lui. Il fait « Ah là là, mais c'est passionnant !» Et puis, justement, il va démêler la pelote, tirer sur le fil, et puis ça mène à une enquête vraiment à la Sherlock Holmes complète. Donc ouais. Ça, ouais, si vous aimez cet univers-là, et si vous aimez la BD, je pense que c'est vraiment un must-have, quoi. Donc voilà. Alors, dans des genres complètement différents, j'ai lu aussi Tananarive, qui est une BD, une sorte de... Ça pourrait être drôle, mais c'est plus dramatique qu'autre chose. En fait, c'est un notaire qui a quasiment jamais rien fait de sa vie, et le petit bonhomme tranquille, quoi, en gros, et qui a un voisin qui, lui, a été aventurier. Tu vois, le petit vieux à la retraite, il adore aller chez son voisin, à la retraite également, qui lui raconte toutes ses aventures, sa vie, machin et tout, quoi. Et puis un jour, l'aventurier, décède, et le notaire dit, c'est pas possible, il doit avoir un héritier, il faut que je retrouve son héritier. Et du coup, il ressort sa vieille décapotable qui pourrit dans son garage, et il part, en gros, à travers les routes de France, vivre son aventure à lui pour retrouver l'héritier de son copain, quoi. Il va plutôt aller de déception en déception, mais ouais, c'est une sorte d'aventure française à travers la France, où il rencontre un peu des gens, des trucs, et c'est cool. Ça se lit facilement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le sujet, mais c'est une chouette œuvre aussi. Allez, j'en fais encore deux. Un truc que j'ai lu récemment, j'ai lu Celui qui est né deux fois. Donc une BD de Derib. Donc Derib, en fait, il est surtout connu parce que c'est le dessinateur de Yakari. Donc il a fait notamment une vingtaine de Yakari. Et de fait, il les faisait avec un autre auteur dont le nom m'échappe maintenant, mais qui a 94 ans, je crois, maintenant. Ouais. Et du coup, Derib continue seul avec d'autres auteurs Yakari. Et en fait, donc, quand tu prends Celui qui est né deux fois, le premier truc qui te choque, en fait, moi, j'avais pas tilté sur le nom de l'auteur, c'est que le trait, tu fais « Waouh, on dirait du Yakari pour adultes !» Et du coup, j'ai vraiment été voir le nom de l'auteur, je fais « Ah, mais c'est... » Ouais, non, mais c'est ça, c'est l'auteur, et le trait, c'est le même, mais tu vois, c'est moins arrondi, les couleurs, c'est un peu moins flashy, enfin, c'est plus... Ouais, ça fait plus adulte, et donc on va y suivre, en fait, un jeune Indien qui va faire son apprentissage d'homme médecine, et de devenir, en gros, le sage de sa tribu, et qui sera voué, justement... à rencontrer l'homme blanc. C'est une histoire qui est... Il n'y a pas tellement d'aventure en soi, c'est ça qui est étonnant, c'est que le quatrième de couve, en gros, te dit, c'est l'histoire de celui qui est né deux fois, qui va devoir mener sa tribu à travers la rencontre de l'homme blanc. Alors, sans spoiler, en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, quoi. C'est tout son apprentissage, et l'histoire s'arrête quand il rencontre l'homme blanc. Donc, en fait, il n'y a pas tellement En tout cas, il n'y a pas la confrontation entre sa tribu et l'homme blanc. Donc, c'est un petit peu particulier. Par contre, le trait est fantastique. Je sais pas à quel point... Alors, je sais que Derib, du coup, est un passionné des Indiens, donc j'imagine que c'est pas mal documenté. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, il n'y a pas l'homme blanc, mais tu as des guerres entre tribus indiennes, donc d'amérindien, exactement. Et ils se retrouvent pour les grands événements, etc. Donc, ça se lit presque plus comme une sorte de documentaire. Et c'est un livre qui parle plus de l'éducation.
trouve pas mon mot de l'apprentissage, comment, de l'initiation, c'était ça que je voulais dire, de ce personnage. Et donc ça, c'est pareil, ben normalement, je crois que ça doit être 2 tomes à la base aussi, ou 3. Ben, je la connais pas, cette BD, je sais ah ouais. Je peux pas. Bon, ben, moi, je l'ai lu en intégrale, et bon, ça fait une belle BD aussi, un peu épaisse. Et il y a une deuxième qui sort, qui s'appelle Road to je ne sais plus quoi, et qui est en gros un peu l'histoire, c'est la réincarnation de cet indien-là dans les années 80, si j'ai bien compris, 80-90 aux États-Unis. Et là, j'avoue que du coup, j'irai sûrement vers cette œuvre-là, quoi. Et puis la dernière, parce qu'elle aurait mérité un focus, mais je l'ai lu tellement à la bourre que c'est trop tard pour faire un focus, c'est La Bombe. Enfin. Enfin. Oh là là, t'arrives après tout le monde. Ouais, là, littéralement. Mais ça faisait longtemps que je l'avais. Donc là, on est vraiment... Enfin, pour le coup, ça mérite vraiment son nom de roman graphique, hein, parce qu'on est sur 472 pages de BD, donc c'est une vraie grosse brique. Et c'est toute l'histoire... C'est en grand format A4 quand même, ou c'est... Non, c'est un peu plus petit qu'A4. Ça doit faire, je dirais, 25 sur 20, tout comme ça. Je pense que c'est de l'A4. Ah ouais, c'est de l'A4. Ah oui, c'est parce que c'est tellement épais qu'on a l'impression que c'est plus petit, mais... Ouais. Bon, c'est assez costaud, quoi. Ouais, c'est lourd. Et donc, sur 472 pages, en fait, c'est toute l'histoire de la bombe atomique. En gros, du moment où on commence à travailler l'atome avant-guerre, où justement ça se passe en Allemagne, et où les scientifiques se connaissent tous entre eux, et ils vont être en gros séparés ou se déplacer du fait de la guerre, jusqu'à, globalement, jusqu'à Hiroshima et Nagasaki, quoi. Ça va un petit peu après. Et donc on va suivre tous les gens qui sont... au début on dit il faut ça parce que pour la guerre c'est décisif. Et puis après qui disent les scientifiques américains notamment, quoi. Et puis après qui disent non mais en fait c'est trop dangereux, on va tuer trop de gens, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc c'est hyper fouillé, hyper détaillé, c'est un vrai documentaire ce truc. Ah ouais, hein. C'est un vrai documentaire en BD et là on est vraiment, vraiment dans du roman, quoi, à ce niveau-là. Et c'est sûr que... l'œuvre est incroyable. Alors au début, enfin en soi, c'est pas non plus une belle BD, tu vois. Quand tu commences à lire, au début, tu fais c'est quand même bizarre que c'est fait. C'est noir et blanc déjà. Ouais. Oui. Mais au début, tu dis c'est bizarre que ça fait autant de bruit par rapport à parce que. Et en fait, au bout d'un moment, c'est tellement fouillé, tellement détaillé, et ça explore vraiment tous les aspects de ce truc-là que c'est une œuvre assez incroyable au final. Donc ça, c'est vraiment à lire, je pense que. Mais du coup, c'est que des personnages réels ou il y avait une partie justement. Non, c'est que des personnages réels. D'accord. Non. Le seul écart, entre guillemets, à la réalité, c'est que le narrateur, c'est l'atome. Oui. Donc voilà. Donc voilà, mais globalement, petite sélection, mais j'ai lu pas mal de choses comme ça ces derniers temps. Alors, sur quoi on s'attarde précisément ? C'est stéréo, le focus. Alors, je vais parler du coup d'un roman de Julien Sandrel, qui s'appelle « Les étincelles ». Alors, je parlais un peu de l'auteur. Donc, c'est lui, à la base, en fait, c'est un scientifique. Il a fait 15 ans en entreprise et puis il s'est reconverti. Et il s'est consacré, là, depuis ces dernières années, à l'écriture. Et son premier roman, en fait, s'appelle « La chambre des merveilles ». Il a reçu un beau succès. Donc, je pense que c'est ça qui l'a incité à continuer d'écrire, mais qui est assez récent. Donc, en 2018, son premier roman. Et il va être adapté au cinéma, là, par Lisa Azuleos. Et, a priori, l'actrice principale, ça serait Alexandra Lamy. Et l'histoire, en fait, c'était un petit garçon qui a un accident, qui tombe dans le coma. Et sa mère, en fait, tombe sur un livre où il a écrit la liste des choses qu'il a envie de faire. Et elle décide, en fait, pour l'aider, en fait, de lui raconter ce qu'il aimerait faire pour lui donner envie de revenir, entre guillemets. Et du coup, elle part faire des trucs qu'elle n'aurait jamais fait, parce que voilà, c'est quand même des choses qu'un enfant, il a 12 ans, donc voudrait faire. Et donc, j'étais assez passionnée déjà par son premier livre que j'ai lu. Et donc, quand j'ai vu celui-là, donc... que j'ai choisi d'en faire un focus. Donc lui, en fait, Les étincelles, c'est son troisième roman qui est sorti en 2020. Et donc, c'est publié par le Livre de Poche. Alors, l'histoire, je vais pas pouvoir trop en dire. Ça, c'est un peu embêtant parce que ça serait gâcher un peu ce qui va se passer. Donc, mais globalement, on va suivre Phoenix, qui a 23 ans, qui a abandonné ses études, ses passions suite à un drame familial. Son père, en fait, est décédé il y a 3 ans, donc il était scientifique, et il aurait eu un accident de voiture en allant rejoindre une femme dans un pays étranger. Du coup, elle se retrouve un peu tiraillée entre peine et colère, parce que du coup, toute sa famille, ils en veulent un peu à son père, quoi, d'avoir fait ses choix. Ils savent pas trop, quoi, mais du coup, c'est un peu compliqué pour la famille, en tout cas. Et un jour, en fait, elle va à la cave et elle trouve un carton.
Et dans ce carton, en fait, ben, y a des mystères qui vont en émerger. Il y a un message assez énigmatique de son père. Et il se pourrait qu'en fait, il se sentait en danger. Et donc là, tous les questionnements arrivent. Et voilà, est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que du coup, c'était peut-être pas un accident? Et elle va en parler à son frère. Et du coup, ils vont partir tous les deux en quête de vérité. Et ils vont se retrouver face à quelque chose qui les dépasse. Et donc, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé, donc, c'est vraiment l'histoire, justement. Il y a vraiment un scénario derrière qui tient vraiment la route. Enfin, c'est l'histoire. J'étais vraiment captivée et assez happée dans tout ça. Les personnages, je trouve qu'ils sont aussi... Ils ont tous leur petit caractère, leur petit côté. Ils sont assez bien décrits, détaillés, etc. C'est vraiment dans notre société. Donc... par rapport à ce qui se passe, à l'histoire et tout ça, c'est vraiment ancré sur les choses un peu aussi mauvaises qu'on trouve dans notre société. Et donc, c'est assez réaliste et d'actualité. Il y a quand même du suspense. Donc, c'est pas un roman feel-good de ce que, comme j'ai pu lire avant, ça reste pour cibler un peu. Donc, Julien Sandrel, il va écrire quand même un peu dans l'esprit de Guillaume Musso et Marc Lévy. Ça va rester un peu dans ce type d'écriture. Et donc, c'est pas... Ça reste... gentillet, on va dire, mais c'est quand même un peu plus profond, c'est moins cheat lit, comme on l'a dit dans le précédent podcast. Donc voilà, donc après, le petit reproche que certains pourront faire, c'est justement que c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un drame, il n'y a pas des choses, c'est pas de la violence, voilà, donc ça reste assez romancé quand même, mais c'est vraiment une histoire qui tient la route, donc je le conseille vraiment, quoi. Et donc je me dis que justement, dans les romans que tu lis pas, parce que ça reste un roman assez court, que j'aimerais bien, en fait, que tu lises juste pour savoir ce que tu en as pensé. Parce que c'est court, hein, ça te prendrait pas trop longtemps. Ben là, tu dis oui, je vais le faire. Oui, non, mais je vais le faire. Regarde, c'est petit. Il est tout petit, mais... Ça va être... Le problème, c'est que dans la liste, on en parlera tout à l'heure des livres que j'ai à lire. Et tu voulais relire un roman. Il y a 300 pages, à peu près. Ouais, non, mais oui. Pourquoi pas? Non, mais il faudrait faire l'exercice, effectivement, et faire un petit retour après dans le très vite dans le prochain podcast. Je m'engage pas. De vie, ma vie de lecteur, mais non, mais c'est vrai, t'as raison de le suggérer. Je le conseille vraiment, parce que je l'ai vraiment lu très vite. Enfin, j'avais envie de toi le soir. Il faut que je sache ce qui va se passer. Donc. Bon, bah, tu me le prêtes alors. Je te le prête. Je te l'enverrai pas tout de suite, hein. Tu as 15 jours. Oh bah, alors là, on est mal parti, hein. C'est le temps que je vais lire une BD, ça. Ok. Bah, écoute, merci. Alors, Camille, de ton côté. Moi, j'ai choisi un livre qui vient de paraître aux éditions de L'Olivier. Alors, l'auteur ne vous dira rien. Moi, je ne la connaissais pas. L'auteur est né en Éthiopie. À Addis Abeba, déjà rien que le nom, je trouve que ça fait rêver. Elle est partie faire ses études aux États-Unis et elle enseigne aujourd'hui, notamment à Princeton, elle enseigne la littérature. J'ai choisi ce roman qui s'appelle Le Roi Fantôme, avec une couverture magnifique rouge qui représente une jeune femme, une jeune soldat avec une arme assez archaïque, parce que le sujet m'a passionnée. Alors le sujet m'a passionnée et l'écriture est somptueuse et je trouve que on a un mélange de tout ce que j'aime en littérature, des choses qu'on apprend, des choses qu'on vit. C'est un livre qui est très dur aussi, qui est très fort. En tout cas, j'ai appris plein de choses et on le referme en se disant quel souffle il y a dans ce livre. L'histoire est l'histoire de l'invasion par les Italiens de l'Éthiopie. L'Éthiopie était un pays libre jusqu'en 1935 et quand Mussolini est arrivé au pouvoir, il a décidé de créer un état colonial en Afrique. Et donc il a jeté son dévolu sur l'Éthiopie qui était pour lui le pays parfait parce que pays très pauvre, pays pas tellement peuplé et il s'est dit ça va être une bouchée de pain de les attaquer. Ils sont arrivés, l'armée italienne a 400 000 soldats, ils ont débarqué sur les côtes éthiopiennes. Et là, contre toute attente, et c'est là où le livre est absolument somptueux,
la population éthiopienne s'est totalement révoltée à l'arrivée des Italiens qui arrivaient vraiment en terrain conquis. Alors le roi de l'époque qui s'appelait, que vous avez tous, enfin, dont vous avez entendu parler, c'était un empereur, il s'appelait Haïlé Sélassié. Lui, dès que les Italiens sont arrivés, il est parti se mettre à l'abri en Angleterre dans sa résidence secondaire. Et donc son pays s'est retrouvé sans dessus dessous, et c'est là où la résistance a commencé à s'organiser, et le livre est vraiment axé sur cette résistance-là, sur la manière dont les troupes se sont massées derrière un héros qui s'appelle Kidane, qui était un homme apparemment très charismatique et qui a réussi à mettre en place une vraie stratégie de guerre. Alors les combats ont été atroce, et c'est là où le livre est très difficile, et heureusement la plume est magnifique parce que c'est quasiment de la poésie à certains moments. Les combats ont été atroces parce qu'ils sont arrivés avec l'aviation, avec des gaz, les Italiens, et les Éthiopiens, ils avaient des javelots et des fusils qu'ils avaient réussi à retrouver. Ça a été... qu'on dit des lances quand même. Pardon ? On dit des lances quand même. Ouais, des lances ou des... Enfin, c'était des choses qui étaient très... Non, mais ils fabriquaient leurs armes. Ouais, donc ouais. C'était vraiment... archaïque, quoi. C'était très archaïque. Ils faisaient évidemment tout à pied ou avec des animaux, mais ils se déplaçaient comme ça. Ils ont été gazés par l'aviation italienne. Donc, ça donne des scènes qui sont assez difficilement... Enfin, avec une vraie émotion quand on les lit. Mais ils ont mis, l'armée italienne a mis plus de 6 mois à battre les Éthiopiens, ce qui était complètement impensable. Non, je pensais que tu allais me dire qu'ils n'avaient pas gagné. Ils ont fini par gagner quand même, parce que la supériorité numérique était là. Mais en tout cas, c'est un épisode qu'on ne connaît pas très bien, parce que ce n'est pas des pays avec lesquels la France a pu avoir des relations. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant dans ce livre, et là on revient à un de mes sujets phares, c'est la place des femmes. Les femmes, quand les Éthiopiens se sont levées, ont refusé d'avoir un rôle secondaire et elles ont levé des armées de femmes. Mmh. Et les femmes n'étaient pas juste là pour faire la cuisine et accueillir les valeureux guerriers qui rentraient. Elles ont été missionnées pour envoyer des messages. Elles étaient sur les champs de guerre et les champs de bataille. Elles se sont battues à armes égales avec les hommes. Et c'est en grande partie grâce à leur force numérique et à leur présence que l'Éthiopie s'est pas couchée dès que les Italiens sont arrivés. En tout cas, moi, je l'ai commencé à lire parce que la couverture, je l'ai trouvée fascinante. Enfin, j'ai trouvé hypnotique. Les Éthiopiens sont décrits comme des gens d'une beauté incroyable. Enfin, il y a des descriptions sur ces soldats qui sont... magnifique, mais vraiment magnifique. Et c'est vrai que la délicatesse de ces gens-là, pourtant Dieu sait que j'aime beaucoup l'Italie, mais la délicatesse de ces soldats-là avec l'armée italienne qui arrivait avec ses gros sabots, à tel point que certains soldats de l'armée italienne ont refusé de combattre en disant « là, c'est plus de la guerre ». C'est les premiers sujets de « on n'est pas à armes égales, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus ». Bon, alors les commandants de l'armée italienne n'entendaient pas de cette oreille-là, donc ils ont continué à bombarder comme des lourdeaux, mais les Éthiopiens ont réussi à trouver des parades. L'écriture est splendide, alors ça demande une vraie concentration, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est presque de la poésie, donc d'écrire des scènes de guerre avec de la poésie, moi j'ai trouvé que l'utilisation comme ça de cette plume, c'est magnifique. Et moi, c'est un livre qui m'a scotché, quoi. Enfin, vraiment, qui est d'ailleurs qui vient d'être sélectionné pour un prix littéraire là, de ce début d'année, parce que sujet hors norme et parce que écriture assez dingue, quoi. Donc voilà, ça s'appelle Le Roi Fantôme et c'est aux éditions de l'Olivier. C'est aussi un assez gros pavé. Oui. Bah, souvent, et l'autrice, du coup, c'est Maza Mengistu. Mais encore une fois, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas son ce qu'elle a... C'est son premier... C'est son premier roman, à mon avis, traduit en français. Je pense qu'elle en a écrit d'autres. Mmh. Celui-ci, il est paru en 2019. Et il vient juste d'être traduit, je ne pense... Ah si, elle a fait Sous le regard du lion, en 2012. Donc c'est son deuxième livre traduit en français. Mais voilà, si vous vous intéressez un peu à l'histoire et à ses aspects... très méconnu, allez-y, parce que c'est vraiment un très beau livre. J'imagine, ouais. Voilà. C'est sûrement plein de choses très horribles, comme le colonialisme a su le faire. Et c'est exactement ça. Et je pense que ce qui résonne autant dans ce livre, c'est que c'est un livre qu'on pourrait transposer à plein d'autres guerres. Oui, sauf que là, elle l'a écrit avec ses tripes, parce qu'elle est éthiopienne, et elle raconte bien, en tout cas dans les remerciements, qu'elle a été nourrie de ces histoires de femmes qui ont combattu, mais jusqu'au bout, pour la défense de leur pays. Et elle a grandi dans cet environnement-là, avec cette espèce de poids, en se disant
personne n'a lâché notre pays, quoi. Et c'est, je trouve ça beau qu'elle rende hommage comme ça. Mais cela dit, à ces combattants, l'histoire ne suit pas un groupe de femmes, là, pour l'occurrence. Tu disais, elle suit un héros qui s'appelle. Non, mais c'est sous-jacent. Oui, le Kidane, là, qui va mener vraiment le pays à la résistance, c'est pas un type vraiment fréquentable. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un mec bien, et puis de fréquenter la guerre, et il va devenir complètement fou. Enfin, on sent qu'il y a un moment où il perd complètement pied, et donc il devient agressif, et donc il agresse pas mal de femmes, etc. Mais on sent qu'il est dans un environnement où il est entre deux mondes, quoi, entre la vie et la mort. Donc il est plus tellement ancré. C'était un mec très bien avant, et pendant la guerre, ça a été plus compliqué à gérer pour lui. Et les femmes qui l'entourent vont continuer à faire bloc, mais c'est ça qui est complètement dingue. Et elles vont pousser pour réussir à maintenir une espèce de cohésion aussi dans les troupes de soldats pour faire en sorte que le pays capitule pas tout de suite, quoi. Ça m'a... Il y a des descriptions où ils sont tous cachés dans des hautes herbes. Les armées en face les voyaient pas, et alors évidemment les avions arrivent, donc ça va être un jeu de massacre, mais ils sont tellement habitués comme ça à se déplacer que personne les voyait, quoi. Ça pourrait être un Vietnam africain, exactement, à l'issue différente, mais exactement, c'est tout à fait transposable. T'as raison, c'est transposable à plein de pays, et là l'Éthiopie l'avait clairement pas vu venir, quoi. Donc quand au bout de 9 mois de combat acharné, ça y est, l'Italie a dit « ça y est, nous sommes chez nous ». C'était en 1935. Ils ont commencé en octobre 1935, et je crois que le pays a été, l'Éthiopie est tombée, entre guillemets, je crois que ça a duré 8 ou 9 mois, donc c'était à l'été 1936. C'est un sujet qui reste très douloureux, à mon avis, et pour les Italiens et pour les Éthiopiens, quoi. Donc de mon côté, moi je vais parler de Jour de sable. Alors c'est encore un roman graphique / BD. Mmh. De Aimé De Jong, je sais pas comment on prononce, qui est dessinatrice, qui travaille déjà dans le monde de la BD. Moi je connais pas d'autres de ses œuvres. Il y en a d'autres, hein, elle a travaillé sur des séries, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'elles sont pas arrivées jusqu'à moi. C'est paru chez Dargaud en 2021. C'est aussi un beau petit morceau, parce que ça fait quand même 288 pages. Donc on est aussi sur une belle BD, un roman graphique, quoi. Alors on y suit l'aventure de John Clark, qui en gros est un jeune photographe new-yorkais, dans les années 30 également, qui va être envoyé par une organisation gouvernementale américaine rendre compte des difficultés des agriculteurs dans le Dust Bowl. Alors le Dust Bowl, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est marrant, c'est quelque chose que... même si j'avais déjà, on va dire, vu des petits trucs par-ci par-là, je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas ce mot-là, ni rien. Donc le Dust Bowl, en fait, c'est une zone géographique à cheval sur les États de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas aux États-Unis. Donc, où en fait, il y a eu deux choses qui se sont croisées, on va dire. Une sécheresse d'une part. Alors, deux choses climatiques, mais trois choses dans les faits. Donc, une sécheresse d'une part, et une surexploitation des sols, d'une manière qui n'était pas du tout appropriée à ces sols-là. Les Américains, quoi, qui s'étaient installés sur ces terres-là. Et ils étaient trop nombreux. Ils étaient trop nombreux, donc en fait, en gros, ils ont défriché à mort, ils ont transformé tous les champs en terre agricole, ils ont enlevé des arbres, etc. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que la terre n'était pas du tout prévue pour ça. Donc en fait, tout le sable et la poussière qui constituait la terre est remonté. Donc la surexploitation des sols, donc le sable est remonté, plus combiné à la sécheresse. Donc il y a quand même une sécheresse qui a duré de 1929 à 1937 sans pluie. Ah bon, ouais. Du coup, en fait, cette zone-là du Dust Bowl s'est transformée en désert. Mais de sable, hein, avec des dunes de sable, vraiment l'image du désert. Et du coup, tous les agriculteurs qui étaient venus s'installer là, parce que c'était une zone très verte et fertile, etc., en fait, se sont retrouvés avec rien, que du sable et des tempêtes de sable hyper puissantes qui rendaient en gros le lieu inhabitable, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour le contexte géographique. Et au niveau politique, donc c'est une situation qui a commencé en 1929, c'est-à-dire aussi également en même temps que le krach boursier. Donc non seulement géographiquement ça le faisait pas, mais politiquement ça le faisait pas du tout. Du coup, il y a une organisation gouvernementale qui a été chargée, en gros, qui a chargé des photographes, donc tout ça c'est vrai, hein, de rendre compte de la pauvreté et des difficultés des agriculteurs.
et donc de le faire connaître au public à travers les photographies. Donc ils envoient ce jeune photographe là-bas avec en gros une liste de photos à ramener. Alors des gens qui fuient, une maison vide, des enfants affamés. Et au début, il se dit bah je vais juste faire la liste qu'on m'a donnée, et puis voilà, il fait ses photos sans trop réfléchir à l'impact, et puis bien entendu bah, au contact des personnes sur place. De la misère, parce que là, donc, c'est misère, famine, une immigration. Il y a 2,5 millions de personnes qui ont émigré donc, de ces États des États-Unis vers la côte ouest américaine. Il va être saisi, et puis bah, il va forcément un peu s'impliquer sur le lieu et tout. Donc, ça fait. Voilà, c'est cette histoire qui est racontée là. Alors, plusieurs choses. Bon, d'un point de vue BD, déjà, j'ai trouvé magnifique la BD. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup. Il y a plein de scènes sans texte, en fait. Hein, des doubles pages juste de dessins qui sont là. Elles sont là pour te plonger dans cette ambiance de désert où tu as besoin de te rendre compte de la quantité de sable qui s'infiltre partout. En gros, il part avec sa voiture à un moment et pareil, en fait, il ne réfléchit pas. Et il se retrouve enlisé dans le sable et pris comme dans une tempête de neige, sauf que c'est du sable, quoi. Et il n'a pas de pelle parce qu'il n'y a pas pensé, etc. Le sable rentre dans les maisons, donc il y a des plans pareil avec les maisons, avec le sable, les petits tas de sable qui se forment partout dans la maison, etc. Donc voilà, c'est assez dur, hein, parce que c'est une vraie misère humaine, quoi. Mais voilà, donc, au niveau de la BD, c'est déjà... C'est plutôt comme un documentaire, du coup ? Non, alors en fait, j'allais y venir. Globalement, en fait, donc voilà, d'un point de vue BD, justement d'un point de vue construction, en fait, donc c'est une, dans la vraie vie, on va dire, c'est une période qui a été donc extrêmement documentée parce que le fait que le gouvernement américain, via cette organisation, envoie des photographes dans cette zone-là, donc c'est quelque chose de vrai. Ils ont envoyé plein de photographes qui ont ramené plein d'archives. Donc en fait, cette période est extrêmement documentée, même si nous, on la connaît pas beaucoup en France. Et du coup, ce qu'a fait l'autrice. C'est qu'elle a été explorer ces archives-là, et ce qu'on ressent, je pense que franchement c'est la vérité, c'est qu'elle a fait toute une sélection de photos qui montrent un peu toute cette période, et en fait, elle les a reliées entre elles à travers une histoire. L'histoire est fausse au final, mais les faits sont vrais, et du coup, il y a plein de plans qui sont dessinés qui sont vrais également, et la BD est entrecoupée à plein d'endroits en fait, de la photo d'origine donc, qui a inspiré cette planche-là. Alors, moi qui suis en plus un passionné de photos, ça m'a vraiment doublement parlé parce que t'as des photos qui sont très fortes, très belles, et donc t'as l'histoire qui les relie, elles sont redessinées à côté. Donc, ça fait vraiment une belle œuvre au niveau photo, au niveau dessin. C'est, comme tu dis, ça pourrait presque être documentaire du coup parce qu'on apprend vraiment plein de choses. L'histoire reste fausse, mais relie vraiment bien toutes ces photos et créer une histoire qui a du sens, quoi. Donc voilà, il y a quelques photographes qui sont parvenus à nous. Enfin, par exemple, Dorothea Lange, qui est une photographe très connue. Une photo, alors, si je vous la décris comme ça, elle va peut-être pas vous parler, mais d'une mère pauvre qu'elle regarde un peu dans le vide avec ses enfants à côté d'elle. Bon, c'est une photo extrêmement connue et qui vient en fait de cette période-là, quoi. Il y a d'ailleurs dans le livre tout un rapport à la photo, c'est... extrêmement intéressant aussi, parce que l'autrice interroge justement le travail du photographe. C'est-à-dire que, en fait, assez vite dans l'histoire, on va voir qu'il y a le photographe apprend qu'il y a des gens, ils n'hésitent pas, en gros, à forcer un petit peu le destin pour avoir la photo qui va bien, en déplaçant un élément, etc. Et en fait, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut juste rendre compte de la réalité? Ou est-ce qu'on peut forcer un peu le trait en déplaçant des éléments? Ces sujets-là, ils sont abordés dans la BD. Du point de vue du photographe et du point de vue en fait, des sujets aussi qui ne prennent pas forcément bien le fait qu'on leur demande de poser une citation pour eux qui n'est pas vraie. Ouais. Et il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens qui disent en gros ils posent devant leur voiture qui est surchargée parce qu'ils vont partir vers l'ouest. Et puis on va faire une photo, vous êtes triste. Et puis le mec il dit mais moi en fait je ne veux pas montrer que je suis triste, moi je veux montrer que je me bats. Et donc il dit je peux avoir la même photo en souriant, etc. Donc t'as quand même tout un rapport à la photographie qui est interrogé que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc en fait que sur les deux axes, que ce soit la photo ou la BD, j'ai trouvé l'objet passionnant. Et niveau photo c'est hyper documenté, vous avez toutes les refs, les auteurs, les époques, etc. Donc c'est une vraie belle œuvre. Donc, et c'est très émouvant. Ouais, c'est un drame hein, également. Bah oui, parce que tous ces gens là, ces 2 millions, c'est 2 ouais, 2 millions 5 de personnes qui sont arrivées en Californie, il n'y avait pas assez de travail en Californie pour tout le monde, et donc ils ont retrouvé une misère. Donc c'est des gens qui ont eu des vies, c'est ce que décrit
Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est exactement ce que décrit Steinbeck dans Les raisins de la colère. Mmh. Et Steinbeck, il a décrit dans Les raisins de la colère justement une de ses familles. Et sur l'édition poche, c'est cette photo dont tu parlais qui est en couverture, donc ça va peut-être parler à certains, mais c'est le trajet de cette famille qui quitte tout parce que poussée à la famine et à la misère et aux maladies, parce que cette poussière, elle a causé énormément de maladies, ouais. elle a fait mourir. Mais ce qu'ils appellent la pneumonie du... Oui, c'est ça, du sable. Du sable ou un truc comme ça, ouais. Bah, en fait, les gens, ouais, c'est vraiment une poussière très fine qui s'infiltre partout. Et qui, du coup, tue... Et arrivé en Californie, ils se retrouvaient dans des tentes. Ah oui, ils sont dans des camps, hein, globalement. Il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. Et c'est des gens qui ont erré toute leur vie, après. C'est un sacré sujet. C'est un truc assez incroyable qu'on a du mal, je trouve, à imaginer en France. C'est de se dire, en France, en gros... Surtout en ce moment. Enfin, un migrant, c'est quelqu'un qui va d'un pays à un autre. Ils restent dans le même pays. Alors qu'aux États-Unis, ils sont migrants dans leur propre pays, d'un État à l'autre, et ils ne sont pas mieux accueillis. Et si toute la Bretagne ailleurs, allait en Alsace. Ouais. Oh, ça n'arrivera jamais, l'inverse. Mais... et voilà, tu t'es mis à dos toute l'Alsace. Donc voilà, donc c'est une super belle œuvre, et c'est vraiment. Je pense que je la relirai assez régulièrement. Et voilà. Et même sur l'aspect documentation photo, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, je ne connaissais pas cette autrice, mais... Grand prix de la BD à Quai des Bulles. Sacré boulot, quoi. Donc voilà, on a fait des livres gays, hein, c'est bien. Moi, c'est pas triste. Hein, c'est... Ouais, mais heureusement que t'es là, t'es notre rayon de soleil. Vous aimez vous faire du mal, en fait. Ouais, c'est clair. Bah, ouais, c'est à canaliser. Ouais, bah, on avait quoi? On avait la guerre en Éthiopie. En Éthiopie, le Vietnam, la famine aux États-Unis... Non, mais tout va bien. Et la bombe qui était pas mal. Ouais. Ok. Et ben voilà, plein de recos. Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous allez lire? Quels sont vos prochains livres? Alors moi, a priori, il faut que je lise Les étincelles de Julien Sandrel. Ouais. Je sais pas où je vais le mettre dans mon emploi du temps. Je vais faire un petit rattrapage, parce qu'en fait, j'avais acquis des livres sur Noël. Donc, des romans pareils, des comédies romantiques de Noël en livre. Et du coup, bah, je suis un peu en retard, donc je vais les lire maintenant. Bah, tu peux attendre le prochain, non? Bah, il y en aura d'autres, parce que c'est devenu un... Ah bah, c'est devenu un vrai business. Ouais, un vrai business commercial. Et, du coup, je sais plus le titre, parce que je te l'avais pris, c'est Laura S. Wilde, et je sais plus le titre. Okay. Mais voilà, du coup, elle en a fait pas mal, et là, je viens de commencer à peine. Donc j'ai ça, et après, je sais pas trop. Dans le feel good aussi. Ouais, pas... Le feel good de Noël, quoi. Ouais, c'est ça. Le feel good de Noël en février. Ah, mais pourquoi pas. D'accord. Moi, j'attends de lire avec impatience un livre là qui vient juste de sortir et que je dois débuter, j'espère, ce soir. Ça s'appelle Les culs reptiles, donc cul comme un cul. Mmh. C'est un livre qui se passe au Tchad, au Mali, je ne sais plus, d'un auteur tchadien ou malien. Je pourrais même pas vous redire son nom, mais en tout cas, l'histoire est absolument fabuleuse et ça part d'une histoire vraie. Ça se passe dans un de ces pays-là, et un des jeunes types, alors on les appelle les culs reptiles parce qu'ils passent leur journée sur des nattes là, à commenter, c'est un peu des laissés pour compte dans leur pays, à commenter ce qui se passe dans toutes les cases, à droite, à gauche, et avec un humour apparemment dévastateur. Et un jour, il y en a un qui lit une annonce dans le journal disant « cherche représentant pour l'équipe de natation pour les Jeux Olympiques ». Il s'inscrit en disant « de toute façon, j'ai plus rien à perdre ». Et le jour de la sélection, les deux qui devaient participer avec lui font un faux départ. Donc lui se retrouve enrôlé de force dans l'équipe, c'est une histoire vraie. Mmh. En ne sachant quasiment pas nager, il va aller représenter son pays aux Jeux Olympiques. J'ai vu les images. C'était les Jeux Olympiques de quand? C'était les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Oui, c'est le mec qui a gagné une course parce que tout le monde, a fait un faux départ. Il a été sélectionné comme ça. Mais là, donc il a la course est épique parce que les commentateurs rit tellement que... Oui, puis il met un temps de ouf, il est lent, quoi, le gars. Bah, il est lent, il nage pas plus vite que nous, mais par rapport au temps olympique, c'est juste... Enfin, il nage la brasse comme nous, c'est-à-dire la tête en deux. Oui, il nage comme nous. Ouais. Et apparemment, ce livre est drôlissime parce qu'il raconte toute l'ascension de ce type-là qui, à un moment donné, a dit « Moi, je n'y vais pas ». Et le gouvernement lui a dit « Non, non, mais t'as pas le choix, t'as pas compris ». Tu vas représenter le pays. Donc c'est aussi ce rapport au sport dans ces pays-là qui veulent absolument défendre. Il paraît que c'est extrêmement drôle et caustique comme humour. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Un peu plus joyeux que les livres sur la guerre. Oh, bah, j'ai bien vous trouvé un truc noir dans l'histoire. Et du coup, l'auteur t'a dit c'est... Eh bah, ben je ne sais pas parce que je ne le connaissais pas. C'est paru chez Gallimard là, dans la collection Continent Noir, qui est une super collection qui publie beaucoup d'auteurs... d'auteur africain, il s'appelle Mahamat Saled Haroun.
Et apparemment, mais les phrases sont... C'est tellement drôle que... Enfin, c'est pas l'histoire de ce type qui est drôle, l'écriture est très drôle. D'accord, ouais. Parce que l'idée, c'est pas du tout... Personne s'est jamais moqué de lui. C'est-à-dire que tout le monde, il a eu un courage hors norme, ce mec. Il a fait ce que personne n'aurait eu le courage de faire. C'est le Rasta Rocket des temps modernes. Tu m'as piqué déjà les lèvres. C'est un peu ça, mais raconté apparemment de manière très, très, très humoristique, quoi. D'accord, bon, on voit des trucs à lire également, quoi. Ouais. Bah, de mon côté, moi, je vais continuer pas mal dans le roman graphique, parce que j'ai pas du tout pareil. Alors moi, je suis sur la collection de Noël, mais c'est plutôt tout ce que j'ai eu à Noël qu'il faut que j'écluse, et puis j'en ai déjà racheté depuis. Il peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui. C'était pire que pour les jeux de société, on dirait. Non, ça va quand même pas. Non. Bon, je suis en train de lire, donc, Goldorak. Ouais. Mais bon, voilà, comme tu disais tout à l'heure, pour les quarantenaires, ça a bercé notre enfance et tout... Donc je savais que je voulais le lire, et tout le monde l'a, mais personne ne me le prêtait. Alors je me suis acheté, et je suis au trois quarts. Là. Donc je suis assez content de ce livre-là aussi, je trouve qu'ils ont bien bossé. Donc là je suis là-dessus, j'enchaînerai après avec 1984, en roman graphique, la version de Xavier Coste. Alors honte à moi, j'ai pas lu le livre, mais par contre j'ai été attiré vachement par le trait, qui a un côté très soviétique et tout, je trouve. Donc j'ai hâte de lire ça, j'en reparlerai aussi plus tard. Et après, en roman, c'est pour ça qu'on m'a offert à Noël le Crépuscule et l'Aube, qui est le préquel des Piliers de la Terre de Ken Follett. Mm. Et dans le genre brique, c'est pas mal aussi. Hein, les Piliers de la Terre, c'était déjà un gros pavé. Donc voilà, là, il va falloir que je me recolle à ça. Mais j'avais adoré Les Piliers de la Terre, alors... Que je me colle à ça. C'est pas un plaisir. Oui, c'est ça, exactement. Ça reste Si c'est pas un plaisir, faut pas le lire. Non, mais si, ça va être, mais... j'ai pas du mal à retourner vers le livre. Bah, c'est ça, on peut pas tout faire. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de lire ton livre. Mais tu vois, s'il passe après le Ken Follett, ça risque d'être... risque d'y avoir une sorte de petit délai. Ouais, bah justement. Quand même, c'est les contrastes qui sont intéressants. Oui, mais oui, mais je ne dis pas le contraire, mais c'est juste qu'il faudrait peut-être que je lise le petit avant le gros. Oui, peut-être. Ça te fera une bonne respiration avant d'attaquer le... Mais si je fais ça, en gros, le gros, je le lis jamais, puisque j'aurai toujours un petit à lire avant. Bah, c'est un peu comme le sport, hein. Le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que t'es dedans, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est une belle analogie. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mais non, mais c'est toujours ça. Il y a toujours une bonne raison de pas y aller. En fait, quand t'es dedans, t'es là, mais qu'est-ce que c'est bon. Sauf que c'est un peu comme si je m'étais fait mal au sport plusieurs fois et que j'ai pas trop envie de retourner courir. C'est pour ça qu'il faut commencer par des petits. Si tu commences tout de suite par des pavés, là, ça va te faire un frein direct. Je le prends, je pars avec. On verra dans quel ordre je le mets. On ne manquera pas de te poser la question la prochaine fois. Ça marche. comme d'hab, si vous avez aimé ce podcast, venez nous le dire sur Discord. Si vous ne l'avez pas aimé, venez nous le dire aussi. Hein. Nous, on est ravis d'échanger. Venez nous faire des recos aussi. Ouais, le lien du Discord est dans la description. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes, tout le podcast habituel, Spotify, Deezer, etc. Et YouTube aussi. Sur YouTube aussi maintenant. On est aussi sur Instagram maintenant. On est partout. Suivez-nous partout, on est partout. Et on se retrouve prochainement pour un épisode série, probablement. Série, ouais. Ça marche, merci à vous deux. Merci. À bientôt, salut. Au revoir.